هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن. Bonjour, nous restons dans Healthy Healthy, toujours avec certaines maladies dans l'ère thérapeutique hématologie. Après la leucémie lymphoïde chronique la dernière fois, pour ce nouveau numéro, le myélome multiple. La pathologie d'aujourd'hui est expliquée par une affection de la moelle osseuse. La moelle osseuse est une substance qui se trouve à l'intérieur des os. Elle joue un rôle dans leur formation, mais aussi dans la production de cellules sanguines, globules blancs, globules rouges et plaquettes. Et dans le cas de cette maladie, nous assistons à une prolifération incontrôlée d'une catégorie de globules blancs, les plasmocytes, cellules spécialisées dans la fabrication d'anticorps. Et nous allons comprendre tout cela avec notre invité dans un instant. نتحدث اليوم على الميلوما المتعدد. يتم تفسير هذا المرض من خلال حالة تؤثر على نخاع العظام. النخاع هو مادة موجودة داخل العظام يلعب دور في تكوينها ولكن أيضا في إنتاج خلايا الدم خلال الخلايا البيضاء الخلايا الحمراء والصفائح الدموية. في حالة هذا المرض نشهد انتشار غير منضبط لفئة من الخلايا البيضاء خلايا البلازما متخصصة في تصنيع الأجسام المضادة. Une maladie rare, la deuxième hémopathie la plus répandue après les lymphomes, 1% de l'ensemble des cancers, l'incidence de 4 à 7 nouveaux cas par 100 000 habitants par an, l'incidence s'accroît avec l'âge, enfin à noter une discrète prédominance masculine. هذا يمثل 1% من جميع أنواع السرطان. حدوث 4 إلى 7 حالات جديدة لكل 100 ألف نسمة في السنة. يزداد معدل الإصابة مع تقدم العمر وأخيرا المزيد من الحالات عند الرجال. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui nous suivez régulièrement sur les plateformes de diffusion. Nous consacrerons bien sûr les dernières minutes à vos questions. Healthy Healthy, c'est maintenant. Notre invité du jour est le docteur Ahmed Fouad Bendahman. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Vous êtes maître de conférence au CHU de Tlemcen et au CLCC de Tlemcen. Alors j'ai tenté rapidement d'expliquer le myélome multiple. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter de plus, docteur? Alors, le myélome multiple, aussi connu sous le nom de maladie de Kahler, qui doit son nom au médecin autrichien Otto Kahler, qui l'a décrite pour la première fois il y a une centaine d'années. C'est une maladie maligne cancéreuse de la moelle osseuse, un nocturne. Là, j'ouvre une parenthèse, la moelle osseuse et non pas la moelle épinière. C'est le lieu, comme vous avez déjà signalé, de fabrication des cellules sanguines, comme les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. نخاع العظم هو مكان إنتاج الخلايا الدموية مثل الكرية الدموية الحمراء والصفائح. الباثولوجي بروفوكاسيون اي اون ديفيزيون incontrôlée d'un type précis de cellules sanguines de la famille des globules blancs qui sont les plasmocytes خلايا الدم appelées aussi cellules myélomateuses. En temps normal, les plasmocytes sont spécialisés dans la fabrication d'anticorps pour aider à combattre les infections, que ce soit bactériennes ou virales. مرض الميلوما السرطاني يتميز بإنتاج خلايا بلازما الغير النخاع العظمي. Alors, pourquoi on emploie le mot multiple, docteur? Alors, il faut savoir que les cellules myélomateuses se multiplient dans la moelle osseuse, donc affectera de multiples parties du corps. On a les os du colon vertébral, du crâne, de la cage thoracique, des bras, des jambes, du bassin et des régions autour des épaules et des hanches. النخاع العظمي متواجد في العديد من المواقع مثل الرأس، العمود الفقري، القفص الصدري، عظام الذراعين، الساقين والحوض.
Aussi, ces plasmocytes malins fabriquent une substance qui peut entraîner des dommages aux os et une hausse du taux de calcium dans le sang. Elles produisent également des protéines anormales ou anticorps anormaux qui peuvent affecter d'autres organes comme les reins. خلايا البلازما تنتج بروتينات أو مضادات حيوية غير طبيعية يمكن أن تؤثر على الأعضاء الأخرى مثل الكلى العظام مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الكالسيوم. C'est donc pourquoi on utilise ce terme de myélome multiple. Alors, dire que c'est une maladie qui provoque une immunodéficience, est-ce que c'est vraiment juste, docteur? Notre corps n'arrive plus à se protéger vraiment une fois qu'on a cette maladie? Alors, les malades présentant un myélome multiple ont un système immunitaire affaibli pour les raisons suivantes. En fait, il existe un blocage de la synthèse des lymphocytes B polyclonales, s'accompagnant d'une diminution de la synthèse des anticorps normaux. En plus, l'envahissement médullaire par ces plasmocytes malins s'accompagne d'étouffement de la moelle osseuse responsable d'une insuffisance médullaire, se traduisant parfois par la suppression de la production des globules blancs, d'où une sensibilité accrue aux infections. خلايا البلازما الخبيثة تؤدي لتوقف لإنتاج المضادات الحيوية العادية ووقف إنتاج خلايا الدم البيضاء، وبالتالي زيادة في القابلية للعدوى والأمراض بالميكروبات. Alors, docteur Bendahmen, pour ce qui est de l'épidémiologie, quels sont les autres chiffres qu'on doit connaître concernant l'Algérie, notamment pour ce qui est de l'incidence, l'âge et tout le reste? Je vous en prie. Alors, vous avez déjà parlé de quelques chiffres statistiques, c'est vrai, c'est la deuxième hémopathie maligne après les lymphomes. Il s'agit d'une maladie relativement rare, marad nader nisbiyen. Il représente de façon globale 1% de l'ensemble des cancers et 10% des hémopathies malignes. L'incidence en Algérie, selon le registre national de myélome multiple publié en 2016, alors l'incidence annuelle est de 1,1 nouveau cas pour 100 000 habitants par an, avec un âge médian au diagnostic est de 60 ans et une prévalence chez les sujets de moins de 65 ans est de 64%. Donc on a plus d'atteinte du sujet jeune par rapport au sujet âgé. Les facteurs de risque, docteur, awamil khatar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, il n'existe pas de facteur de risque bien défini à l'apparition du myélome multiple. L'origine du myélome est donc probablement multifactorielle, avec l'intervention de différents phénomènes environnementaux, chimiques ou infectieux. لا يوجد عوامل محددة لتطور المرض. لذلك فإن أصل الميلوما ربما يكون متعدد العوامل. Peut-être le principal facteur du risque est l'âge. Il faut savoir, je me répète, l'âge médian au diagnostic est de plus de 60 ans. Peut-être le sexe masculin, elle touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Un autre facteur de risque est constitué par la présence dans le sang d'une anomalie appelée gammapathie monoclonale. C'est un état pré-myélomateux qui correspond à la production d'un anticorps d'un certain type en grande quantité. D'autres facteurs plus minimes ont pu être mis en évidence. Il existe de très rares formes familiales. L'exposition à des radiations ionisantes a D'accord. Et avec cette maladie, est-ce que d'autres pathologies peuvent éventuellement apparaître et qui peuvent la provoquer par la suite? Le myélome multiple, alors le myélome multiple peut être précédé, peut-être, c'est pas à 100%, peut être précédé, comme déjà signalé, il y a un moment, par un état pré-myélomateux. Qu'on appelle les gammapathies monoclonales de signification indéterminée, GMSI, ou MGUS pour l'acronyme en anglais. C'est un état purement biologique, c'est-à-dire il n'y a rien sur le plan clinique et sans présence, bien sûr, des plasmocytes malins, médullaires, là où jouent des khalaya plasma. Deuxième état, c'est l'état indolent que l'on appelle myélome asymptomatique ou latent, myéloma mutarakhi. Toujours, il n'y a rien sur le plan clinique, mais là, on peut trouver une plasmocytose médullaire. Très bien. Les signes avant-coureurs, c'est une question qui revient systématiquement lorsqu'on souhaite présenter une maladie, yani, isharat tahdhir.
Alors, les circonstances de découverte du myélome sont généralement liées à son degré d'évolution. Lorsque la maladie n'engendre pas de signes cliniques, sa découverte est souvent fortuite. Le myélome est alors suspecté au cours d'un bilan de santé de routine, d'un bilan ou un examen sanguin ou d'imagerie, la radiographie par exemple. البداية غالبا ما يكون الاكتشاف أثناء الفحص الصحي أو الفحوصات الدموية أو التصوير بالأشعة. Maintenant, lorsque le myélome a évolué, il peut provoquer des signes cliniques et biologiques qui font suspecter sa présence. Et sont donc là le point de départ d'un bilan de diagnostic. Il peut notamment s'agir d'une anémie, faqradam, une hypercalcémie, ertifa nisbat al-calcium, une insuffisance rénale, al-fashal kilawi, d'une atteinte osseuse ou encore des infections à répétition, surtout des infections pulmonaires ou ORL. Maintenant, pour poser le diagnostic d'un myélome, il repose généralement sur, on va dire, une triade. Primo, il faut confirmer la présence des plasmocytes cancéreux dans la moelle osseuse. Par quoi? Par une ponction ou une biopsie médulaire. Et تشخيص المرض يجب ثلاثية. الحاجة الأولى بحث عن خلايا البلازما داخل النخاع العظمي. Deuxièmement, il faut déterminer s'il y a la présence de cette protéine appelée entre guillemets monoclonale ou l'anticorps anormal par un examen biologique qui est l'électrophorèse des protéines sériques ou urinaires et l'immunofixation. Tiens, يجب علينا تحديد إذا كان هناك وجود مضادات حيوية غير عادية بالإلكتروفوريز أو الإيمينوفيكساسيون. Troisièmement, il faut déterminer si le myélome a causé des dommages au niveau des organes, par exemple une atteinte rénale, une augmentation du calcium, une atteinte osseuse à la radiologie. ثالثا, il faut تحديد هل المرض تسبب في تلف بعض الأعضاء مثل الكلى أو تلف العظام عند التصوير بالأشعة. Très bien, docteur. S'il vous voulez bien, la prise en charge, on parle de maladies incurables, on parle aussi de rechutes systématiques, inévitables. Alors, expliquez-nous, et qu'en est-il au juste des traitements qui existent aujourd'hui? Alors, dans la plupart des cas, le myélome est une maladie qui tend à devenir chronique. Malade al-myéloma ou malade mouzmine, avec la succession de plusieurs phases de rémission et de rechute. En fait, des rechutes surviennent généralement après des périodes de rémission dont la durée est variable. La maladie peut le plus souvent être traitée plusieurs fois. On parle d'un traitement de deuxième, troisième, quatrième ligne, etc. Dans ce cas, d'autres traitements sont possibles grâce à l'introduction de nouveaux médicaments. Il faut savoir aussi que certaines thérapies sont en cours d'élaboration et d'autres approches font actuellement l'objet d'essais cliniques. حالياً يتم تطوير بعض العلاجات في خصوص مرض الميلوم. Il faut savoir aussi que les formes asymptomatiques ou indolente nécessite seulement une surveillance rigoureuse clinique et biologique, car il y a un risque de passage vers les formes symptomatiques. Pour les formes symptomatiques, on doit avant tout classer afin de savoir l'agressivité de la maladie. Aussi, durant la phase thérapeutique, il y a un suivi à la recherche des effets indésirables liés au traitement et une évaluation de la réponse au traitement. La prise en charge thérapeutique est scindée en deux volets. Le premier volet, c'est le traitement symptomatique qui vise à atténuer les signes cliniques et améliorer la qualité de vie. Je vous donne des exemples. S'il y a des douleurs, on utilise des antalgiques. S'il est anémique, soit on transfuse, soit on donne des inducteurs d'hémoglobine. Le deuxième volet comprend le traitement de fond. C'est quoi le traitement de fond? En l'occurrence, la chimiothérapie conventionnelle, la thérapie ciblée, c'est-à-dire une nouvelle molécule, et la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Notre stratégie est la suivante. Chez les patients âgés de moins de 65 ans et qui ont moins de tares, moins de comorbidités, ces malades sont supposés supporter un traitement intensif ou on les appelle éligibles
à la greffe. Le schéma thérapeutique comprend d'abord une réduction de ces plasmocytes malins par une chimiothérapie dite d'induction. En général, on utilise 3 drogues, suivies d'une intensification avec une chimiothérapie dite de haute dose. On utilise le méphalan haute dose, bien sûr, suivi de l'autograffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, pour les patients non éligibles à l'intensification, où la limite d'âge est au-delà de 65 ans, et chez les patients qui ne relèvent plus de traitement intensif, le schéma thérapeutique de référence comprend seulement de la chimiothérapie, soit une doublette, donc utiliser 2 drogues, ou triplette, utiliser 3 drogues, sur plusieurs sites. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que dans le myélome multiple, comme dans la LLC, on peut guérir et après un certain nombre d'années, on rechute? Donc, ça nécessite un retraitement, pas tout à fait identique au premier. En général, on essaie de changer le protocole, on introduit toujours des nouvelles molécules. Oui. Donc, vous confirmez? Parfait. Lorsqu'on est spécialiste comme vous, docteur, il s'agit de stratégie thérapeutique. Alors, le mot stratégie est peut-être lourd. Je vais vous demander d'essayer, Yannick, de le simplifier. C'est une émission d'éducation thérapeutique qui s'adresse au grand public. Yannick, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Donc, je vais faire un petit résumé par rapport au traitement. Il y a une stratégie, en fait. Donc, on est devant un patient. Le patient, il a ses pathologies, il a ses comorbidités, il a son âge, donc il vient avec tout ça. Et en même temps, les comorbidités, pour ceux qui nous suivent, c'est un peu toutes les autres maladies. Il y a des gens qui ont du sucre, de la tension, etc. Exactement. Et plus l'âge, on ne peut pas modifier l'âge. Et on a parlé des comorbidités et on a la maladie. Donc, on doit stadifier notre maladie. Il y a une classification pour voir quel est le stade de cette maladie, l'agressivité de la maladie. Au début, on a une idée générale sur notre patient. Donc, on va le traiter. S'il est éligible à l'intensification, donc on va viser les 3 phases, l'induction, la greffe et par la suite consolidation, maintenance. Maintenant, s'il n'est pas éligible à la greffe, là, c'est un traitement purement de la chimiothérapie. D'accord, très bien. Alors, des questions d'internautes, docteur, si vous le voulez bien, je vous les répercuter tout de suite, c'est un peu notre tradition puisque nous consacrons les dernières minutes aux internautes qui nous suivent sur les plateformes habituelles, à savoir, bien sûr, Facebook, LinkedIn et YouTube. D'abord, le myélome multiple est-il contagieux, Yannick? Est-ce qu'il y a des... Alors, pas du tout. Aucune hémopathie maligne n'est contagieuse. Par contre, lors de l'hospitalisation de ces malades, on préconise toujours l'isolement et ceci pour éviter les risques de contamination par des microbes, vu le statut immunitaire très fragile. Amrad Dam Khabitha Ria Raymadi. Très bien. Cette maladie est-elle héréditaire? Le myélome multiple n'est pas une maladie héréditaire, malgré le fait qu'il y a des anomalies chromosomiques sur l'ADN. Ces anomalies chromosomiques touchent seulement les cellules plasmocytaires malignes, donc pas de risque de transmission génétique. Là où je traite, le verra. D'accord. Alors, une question un peu dans le même sillage, un autre internaute la pose. Les antécédents familiaux, comment doit-on les considérer? Il faut savoir que quelques formes familiales de gammapathie, de façon globale, existent, mais ils sont très très rares. Il y a seulement quelques cas familiaux qui ont été décrits. Du fait de la rareté de ces formes, il n'est pas nécessaire de prévoir un conseil génétique familial. D'accord. Une avant-dernière question, docteur, vous imaginez bien, avec l'actualité, elle concerne l'épidémie ou la pandémie du Covid-19. Ce coronavirus, finalement, un patient atteint de myélome multiple, est-il plus à risque de contracter le virus? Bien sûr, on a parlé de l'immunité, la fragilité immunitaire. Il y a un grand risque lié à la maladie, donc la maladie multiple, mais en même temps des traitements utilisés, surtout les corticoïdes, qui peuvent entraîner plus d'immunodéficience, donc le risque de contamination
par le coronavirus, il est là pour toutes les hémopathies malignes, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà la maladie elle-même qui affaiblit le système immunitaire, mais il y a aussi le traitement. Yani le marad ou l'adouya li nstamlouhom les deux hadouma yani yqdrou ils posent un réel problème pour le malade. Exactement. Donc c'est pour ça pratiquement en période de Covid, pratiquement la grave, on a reporté pas mal de d'autres graves de moelle osseuse car le risque de contamination du Covid est très important. Il est bien réel. Dernière question, docteur Bendahmen, un simple bilan sanguin peut-il aider à détecter la maladie? Alors effectivement, le bilan sanguin peut nous orienter vers la pathologie myélomateuse. Mais aussi le bilan urinaire et l'imagerie, hein. Donc ce n'est pas seulement le bilan sanguin. Le bilan sanguin comprend en général l'hémogramme, ou qu'on appelle FNS, NFS, c'est la même chose. On retrouve généralement une anémie. On peut retrouver aussi une thrombopénie, une leukonotropénie, donc anémie faqr al-dam. On fait بعض الحالات نجمو نسالو même نقص في الكريه الدم في الكريه الدمويه البيضاء ou افصفائح الدمويه. Mais qui se restera objectivé surtout dans les stades avancés de la maladie. D'autres bilans sanguins, on parle de bilan sanguin protidique qui comporte la vitesse de sédimentation, la VS, c'est un examen très simple. En général, elle est très accélérée. On parle d'une VS à trois chiffres, c'est-à-dire elle dépasse les 100. La vitesse de sédimentation, c'est un examen standard très simple à utiliser. Deuxième examen, dans le bilan protidique, on a l'électrophorèse des protéines sériques, qui peut mettre en évidence l'existence d'une bande étroite. Alors, elle migre le plus souvent dans la position gamma des globulines. En plus, il nous renseigne sur le taux de protide. Généralement, il y a une hyperprotidémie. Toujours dans le bilan protidique, on a l'immunofixation qui permet de confirmer la bande étroite détectée dans l'électrophorèse et d'identifier l'anticorps. Quel type d'anticorps existe chez ce patient. D'autre bilan, on a le bilan phosphocalcique qui nous renseigne sur le taux de calcium, l'espèce de calcium filtrant, bilan rénal, en plus de tout ça, le bilan urinaire à la recherche des protéines dans les urines, le bactane protéinate, et un bilan radiologique standard, à savoir la radiographie du crâne, du bassin, du rachis, du thorax, à la recherche des images de destruction osseuse, parfois même on a des fractures pathologiques. D'accord, donc un simple médecin généraliste en voyant un bilan sanguin peut orienter le patient, le malade vers des services comme le vôtre, vers des experts comme vous, afin de prendre en charge le malade. Yani Adawal a dit à la configuration. En fait, le médecin généraliste joue un grand rôle, c'est le rôle de pivot, c'est à lui de en général de dépister, mais il faut savoir aussi que la maladie de myélome multiple, le malade qui présente un myélome peut consulter chez plusieurs spécialités. On a la néphro, on a la rhumato, la médecine interne, la neurochirurgie, donc elle est pluridisciplinaire. Tout ça à la recherche des signes alarmants afin de les orienter. Bien sûr, la prise en charge, elle se fait au niveau des services d'hématologie. D'accord. Dernière question, docteur. Vous conseillez certainement les patients au-delà d'un certain âge d'aller faire des bilans périodiques, réguliers. À partir de quel âge? En général, en dehors des hémopathies malignes, parce qu'il n'y a pas de dépistage, les hémopathies en général, de toute maladie, le contrôle à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, il est normalement tout annuel. On doit faire des bilans standards, comme la numération de formules sanguines, un bilan rénal, un bilan au moins la vitesse de sédimentation. Donc voilà. Merci beaucoup, Dr Ahmed Foued Bendahmen, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Merci. Vous êtes, je rappelle, maître de conférence au CHU de Tlemcen et au CLCC de Tlemcen. Merci, docteur, pour tous ces éléments d'information. Bon, merci. Et c'est toujours un plaisir de vous servir. Nous venons de nous intéresser au myélome multiple. Juste avant, c'était la LLC, tout comme les MIKI, les neurosciences, la rhumato, autant de thèmes, autant d'aires thérapeutiques qui intéressent aujourd'hui le grand public. Je vous dis à très bientôt. Merci.
العدد برعاية للابوراتوار جانسن.